ça va? Ouais, ça va très très bien, même. Ça va très très bien, on a la connerie. Oh là mais là. C'est pas grave, aujourd'hui on fait un qui de ou de est le plus. Aussi simple que ça, on c'est a vrai. Des chocolats pour tenir. On est à parce que... On a la base, le coca. C'est important d'avoir des vitamines dans le chocolat, on en trouve bien sûr. Évidemment. Oui. Du coup, devant nous, on a bon, on a des questions et on a aussi les prénoms des loulous de l'écurie. Plein de questions. On voit le l'engagement là. Le... Non, c'est pas ça... le mot. C'est pas ça que je voulais dire. On voit le budget. Oui, c'est vrai. C'est écrit poche de Noël. On a découpé. Oh, c'est déjà bien. Et donc, attends, il y a ça qui se pète la gueule. Et donc, on a les prénoms devant nous et à chaque fois, on va voter. On va expliquer pourquoi on pense que c'est un tel ou un tel. Honneur aux invités, on va commencer par tes questions, vas-y. Allez. Bon, évidemment, j'ai sorti des questions très très simples, très très basiques pour le début. Hein. Mm-hmm. Qui est le plus vieux? Je t'ai dit que j'avais pas compris. Au début, j'ai pas compris, je t'ai dit. Je m'attendais tellement pas. Ça filme là, oui. Pour dire, à la base, elle me dit, attends, il faut que t'écrives plein de questions, machin. Et moi, elle m'a même pas expliqué quel le délire, en fait. Mais non, mais c'est censé être des questions drôles. Ah, mais je savais même pas. Mais qui va mourir en premier? Oh putain, oh, tu me fais chialer déjà au début de la vidéo, c'est pas possible. Mais attends, t'expliques rien, tu me dis écris des questions, je t'ai posé la question. Je t'ai dit écris des questions drôles. Ah merde, mais elle attends, m'a même pas dit ça. Mais si j'ai dit ça, attends, hop. Ah, on va y arriver, putain, mais hé. Hey. Ok, bah vas-y, on va voter. Qui est le plus vieux? 1, 2, 3. Jadeline. Jadeline, bah oui. Pourquoi est-ce qu'on explique? Pas besoin, je pense. Parce qu'elle a quel âge? Elle a 27. Elle va avoir 28 en 2023. Ouais. Bon, c'est pas en quel mois elle est née? Faudra que je regarde. Ok. Oh mon dieu, c'est trop dégueulasse. Tu es en train de m'étouffer. Non, mais la deuxième c'est question, elle est le plus jeune alors. Je te dis, j'avais pas compris. C'est quoi ces questions? Putain, qui est le plus jeune, qui est le plus jeune? Comment tu veux qu'on vote? Moi, j'ai été hyper sérieuse dans mes questions. Hein. Mais comment tu veux qu'on vote sur des questions comme ça? C'est que ça tes questions? Non. Bon vas-y, on sait quoi, on fait une question à toi. Vas-y. Une question à moi. Ah, mais la plus jeune, on va pas poser la question. Non, non, pas besoin, vas-y. Ok, alors première question du coup que j'ai notée. Qui pourrait être un cheval de police? Ça, c'est des questions. Ok, c'est vrai, c'est tu regardes pas ce que je vote? Ben moi non plus du coup. Hein. Attends, je réfléchis, j'ai besoin de réfléchir. Sûr. Moi j'en ai mis deux. Ah non. Bon. La meuf, elle a rien compris. Bon, c'est pas grave, vas-y. Qui pourrait être, donc c'est dans le futur. Moi j'ai mis Bisou déjà. Ok. Parce que le truc il a peur de rien. Ouais. Et puis j'ai mis Milan. Il a peur de rien, mais la dernière fois en bas il lui a peur du buisson, non? Ouais, mais c'est un trou du cul. Mais je suis sûre qu'il adorerait faire ça, tu vois. Bien c'est sûr. Dans ses gènes. Ça, ah oui, pas. Attends, je vais essayer de mieux te cadrer. On a la moitié de ta tête. Voilà, ouais, c'est bon. Non, non, je suis sûre qu'il se. Bisou. Ok, ouais. Ouais. Et Milan, du coup. Plus tard, ah oui, c'est sûr et certain. Dans plusieurs années, du coup. Ok, bah moi, je vais être plus cartésienne. Jadeline. Pourquoi Jadeline? Jadeline, elle parce va aller tout droit, tu veux tout à gauche, ça marche plus. Mais hein. Justement, pour arrêter les gangsters et tout. Les gangsters. Les gangsters, oui. On est dans GTA. Bon, pour arrêter les gens, je pense que Jadeline serait mieux. Parce que justement, ouais. Elle a peur de rien et elle fonce. Ouais, oui. Oui. On peut pas la déstabiliser, oui, oui, cette oui. Jument. Si à toi. Tu veux. Oh, quel cheval poney est le mieux éduqué? Mais ça va être forcément subjectif, non? Mais le mieux forcément. Éduqué dans quoi? Dans le respect de l'humain? Ouais, ou dans la respect vie, des clôtures? Ah, au quotidien. Toutes les conneries mélangées? Ouais. Et ça, je me suis dit, c'est compliqué. Ok, c'est pas question. Mais non! Elle triche! Et tu votes de en ton vrai, côté? De vrai. Il faut être rien. Objectif. Il faut être objectif, dit-elle. Je suis totalement objective. Je suis totalement objective. Qui est-ce que je peux prendre en vrai? Qui est le mieux éduqué? Vas-y. Milord. Bah non, non. Bah, le truc, il est quand même assez respectueux. Le truc, le machin.
Le truc est quand même assez respectueux, il a jamais cassé les clôtures et tout. Quoi? Chaque fois, mais non, chaque il fois. Il ne fait qu'à toi, bah, ça. Bah oui, mais bon, non, mais non, non, chaque fois que j'ouvre la porte, il passe. Je suis pas d'accord. Bon, allez, non, mais Nikos. Mais il m'a mordu il y a un mois. Non, mais l'autre. Ouais, bon, j'avoue qu'il est bien éduqué. Ouais. Sauf quand il s'est assez petit. En vrai, Nikos, ouais. Horace. Pourquoi? Parce qu'il ne fait de mal à personne. Il respecte toutes les clôtures. Quand on le retrouve dehors, en dehors du pré, il casse pas les clôtures. En fait, c'est un cheval qui est génial. Mais il est quand même pas dans le pré dans lequel il devait être. Ouais, mais au moins il casse pas les clôtures et il reste là. Je sais même pas comment il fait en plus. Ça. Voilà, exactement. Comment il passe. C'est un génie. On sait pas. Ouais, donc, ouais, si tu veux. Horace. Ok, c'était à qui? Ah oui, c'est à toi du coup. Lequel pourrait se casser la gueule le plus facilement? En mettant par exemple les pieds l'un devant l'autre. Quand on marche normal ou à cheval? Non, normal. Normal. Dans la vie tous les jours, dans la vie au pré. À toi, okay. Commence. Milord. Milord. Il est pas doué. Il fait un pas, il se casse la figure à moitié. Exactement. Déjà. À toi. Premier Kinder. Qui a le comportement le plus facile? Enfin, qui est le plus facile? Voilà. Quand on parle de Milord. Alors attendez, je vais aller l'ouvrir. Oui, oui. Parce que... Donc petite pause. Petite pause. Du coup, la question c'était qui a le comportement le plus facile? Ok. À cheval, enfin dans la vie de tous les jours. Ouais. À toi. Horace. Oui, Horace. C'est un cheval parfait. Il est quand même... Ouais. Oui, on va dire ça. Bah si, oui. Ok, à moi. Lequel des loulous a le plus d'équipement? Vas-y, c'est une question que j'ai posée aussi. Bon, on va la tourner autrement, c'est pas grave. Quand même. Je pense que c'est lui, mais je suis pas sûre. Vas-y. 3, 2, 1. J'ai marqué bisous, mais je sais pas. Oh non. Ben, entre toi et moi, quand même, il y a quand même... Ah, sa taille. Hein? À sa taille, en fonction du cheval. Lequel a plus d'équipement pour lui, à sa taille? Mais tout est censé être pour lui quand même à la base. Même si ça va pas, c'est parce qu'il est obèse aussi. Mais moi je dis Horace en vrai. Bah je sais pas, franchement je pense que les deux ils se valent un peu. Ouais, c'est vrai. Après c'est des princesses. Parce que tu vois, tu peux lui mettre le surfait taille poney, mais tu peux aussi lui mettre le surfait taille cheval. Donc en soi les ouais, deux. C'est vont, vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. À toi. Tac, tac, tac. Qui est le plus détaché du troupeau? Quel cheval tu peux prendre, laisser tout seul et il s'en fout royalement? J'avais pensé à un, mais comme il a un caractère un peu con, à mon avis, il pèterait les clôtures. Ouais. Ouais. Attends. Ouais. Mais en fait, il y en a plusieurs qui peuvent... Qui peut rester tout seul? Ouais. Mais là, sans vraiment, être gêné? Ouais. Et là, vraiment, c'est limite pendant plusieurs jours, tout seul, sans cheval autour de lui. Genre, tout le monde déménage, sauf lui. Sans qu'il soit malheureux ou il serait quand même malheureux? Sans qu'il te montre que ça le dérange. Ah, ok, donc il aime quand même être... Ouais. Ça, c'est chaud quand même comme question. Il y a Mimi qui est en train de les appeler. Il les a appelés, non mais... Bah attends, on va l'amener, le pauvre. Ouais, de ouf. À chaque fois que je bouge, ça fait Mais bouge pas la tête, au pire. Ça va jamais réussir à faire cette vidéo d'un coup. Ouh, ça passe. Donc, okay. On était à la question, qui est le plus détaché du troupeau? On a bien vu par Milord que, ben, non, c'est pas lui, du coup. Ok, bah ça en enlève. Ça en enlève hein. C'est ça. Après, j'hésite en vrai entre Jadeline. En vrai, je pense Jadeline, hein. Ouais, parce que ouais, parce qu'en fait je pourrais dire Horace, parce que bon il ferait rien, tu vois, il casserait pas la clôture, il lénirait pas ou quoi, non. Mais je sais qu'il serait pas heureux d'être tout seul, alors que Jadeline, enfin quoi que elle s'en fout, et encore parce qu'avec Nikos du coup ils sont inséparables. Ouais mais remarque, elle vivait sa best life, qu'elle était pas avec lui, hein. Qu'elle pouvait manger et tout comme elle voulait à sa faim et tout. Hein. Oui mais c'est son demi-frère quand même. Ouais mais bon. Ouais mais Jadeline. Moi, je pense Jadeline. Ouais on est d'accord vrai. Sur Jadeline, ouais, c'est bon. On a oublié deux. Je vais montrer le petit papier qui se montrera à l'envers en plus sur la vidéo. Ah ouais. Ok. Lequel est le plus respectueux? Mais putain, on a déjà posé la question. Ouais, oui. Enfin, moi, c'était le mieux éduqué, tu vois. Ok, alors on peut dire respectueux au niveau de l'humain. Ouais. On va dire ça.
t'as voté Nounours. Attends, j'ai même pas voté. Mais oui, oui, mais je peux dire que Nounours. Oui, Horace, oui. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense qu'il préférera subir plutôt que de faire mal à quelqu'un. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Alors que bisous, c'est tu me fais mal. Je fonce. Paf, je t'écrase. Ouais, c'est vrai. Alors, à toi. Autre question. Tac, 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 tac. Mais moi, c'était pareil. Qui a le plus d'affaires? Oh, mais attends, on a posé la même, ouais. On a pensé à la même question. Bah oui, mais du coup, on a déjà répondu. Question impossible. Qui coûte le plus cher? Putain, j'ai pensé à la. Ok. Ou qui a coûté le plus cher? Achat compris, etc., etc. Ouais, mais à ce moment-là, on peut pas voter pour Nico et Jadeline. Mm. Ok, c'est bah parmi nos loulous alors. Ouais, ok. Qui coûte le plus cher? Ouais. Dans tout, achat, etc., etc., etc. Alors, je peux déjà dire que Bisou, il a pas coûté bien cher, 1€ le pot. Bah, je sais pas. En fait, j'hésite entre mes deux loulous. Parce que Horace vaut une certaine somme aujourd'hui. Oui. Mais Maa va valoir une certaine somme dans quelques années, qui sera plus. Alors, je pense c'est pas dans ce sens-là la question. C'est quoi? Qui coûte le plus cher, c'est-à-dire lequel a engendré le plus de frais, achat compris. Ah, c'est facile. Horace. Moi j'ai mis Milord. Oh mais non, mais je suis à des milliers d'euros pour lui. Oui, moi aussi. C'est bon. Ah ouais, bah ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui, ouais. Les deux se valent, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, moi je pensais plus à la valeur du cheval non, après. Non. Bah moi, après ou maintenant, enfin, aussi, tu vois. Mais ouais. Bah, je sais pas, parce que Maa, les juments, ça vaut cher après, non? Je sais pas, franchement, j'en sais rien, je connais pas la mais valeur. Mais là, c'était vraiment prix d'achat, toute la ouais, genre l'entretien, le vraiment, tout, ok, d'accord. Tout ouais, ensemble. Bah oui, bah du pour coup, ça que j'ai mis ok. Question suivante. Ah oui. Lequel est le plus chiant? On a toutes les deux la même réponse. Bisous. Bisous. Pourquoi? Parce qu'il est chiant, tout simplement. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a un caractère. Des fois, il est irrespectueux, c'est-à-dire ouais. Que t'arrives, il essaye tout le temps de bouffer, genre il s'en fout de toi. Ouais. Il veut manger. Ouais. Sauf qu'il est obèse, donc il n'a pas le droit de manger. Il casse les clôtures s'il est pas content. Ouais. S'il a envie de sortir alors que tout le monde est dans le même pré que lui, il casse les clôtures. C'est bien parce que la vérité sort de la bouche de sa mère. Ouais, de ouf. Genre, il y a un grand champ derrière avec une grande route passante. Il va faire non, je n'ai marre du pré. Let's go, même s'il a plein d'herbe. Il va se barrer. Enfin, c'est un trou du cul. Il a beaucoup de mais moyens. Mais tu l'aimes quand même. Oui, oui, oui. C'est le principal. Voilà, okay. Mais c'est un trou du cul. À moi. Ouais, sur les questions, tac, tac, tac. Qui a eu le plus de mal à intégrer l'écurie? C'est-à-dire dans sa globalité? Ouais, c'est-à-dire quand ils sont arrivés. Okay. Donc c'est pareil, on a extrait Jadeline et Nico, ça tant pis. Mais quand ils sont arrivés, lequel a eu le plus de mal à intégrer l'écurie en général? Ok. Alors moi j'ai ma petite idée. Bah en fait je dirais ma. Enfin c'est pas ma. Enfin et. Ouais, parce que elle c'est vraiment genre je reste là et genre ouais. Si tu m'en bouges un je prends. Moi, mais à la j'ai mon idée déjà. En général. Bah après ils l'ont tous super bien pris en vrai. Non pas si bien que ça. Moi j'ai mis bisous du coup. Bisous. Je sais pas si on va voir. Ouais. Pourquoi? Parce que même encore maintenant des fois je me sens pas trop ouf dans l'endroit en fait. Ouais. Bah, dès le début déjà il s'est pas senti très bien parce que ben en fait l'endroit où il était avant il cassait aucune clôture. Oui. Là, en fait, direct, il s'est mis à tester, à casser toutes les clôtures. En fait, tu te souviens, des fois, il traversait tous les champs en même temps. Enfin, c'était vraiment affreux. Ouais, vrai. Pareil, ben, le nombre de fois où j'arrivais plus à l'attraper, alors que ben, tout allait bien normalement. Et puis, je voulais pas forcément le monter, juste une petite balade, etc. Pareil. Oui, tu veux dire qu'au niveau caractère, il a changé Ben, ouais. Et je me demande si c'est pas lié avec l'écurie en soi. Tu vois, avec oui, le mais changement avant, quand d'endroit. Il était au centre équestre. Il était bien. Bah oui, il y avait pas ce genre de truc. Ouais. Pareil, quand il est passé dans les deux autres prés du coup, qu'il y a eu avant ici, il était bien aussi, il n'a jamais eu ce genre de comportement. Ouais. Du coup, je pense que ouais, il a vraiment eu du mal à intégrer l'endroit, je sais pas comment dire. Et des fois encore, bon là, ça va beaucoup mieux, mais des fois, tous les comportements, je te mords, je te cape dessus, etc., ça, il ne l'avait pas avant. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Donc des fois, je me demande si bon, c'est lié avec les autres chevaux aussi. Il y a plus d'agitation, et puis là, c'est un troupeau qui est quand même plus... Parce qu'avant, ils étaient 3, maintenant, ils sont 6. Ouais, mais donc, du coup, moi, pour moi, c'est bisous. Ok, voilà. Bah, je vais te rejoindre là-dessus, parce que... Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé. Oui, t'as très très bien développé, ok. Mais voilà. Ok, qui pourrait enchaîner un parcours d'obstacles facilement?
toujours pareil. Bisous. Le seul poney qui kiffe l'obstacle jusqu'à... Ah ouais, franchement, j'ai jamais vu un... Mais il fonce en plus. Ouais, hein. Il adore ça. Non, non, c'est vraiment trop drôle. Quand tu vois les vidéos de nos anciens concours, pareil, il est là, coup de cul, galop, coup de cul, galop, à fond, on saute. Oui, c'est clair, bah, ouais, c'est ce qu'il aime. Hein, c'est... Attends, c'est un nain. C'est un nain, il saute très bien. Eh oui. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, à toi. Question suivante. Ben, j'avais à peu près le même truc, mais qui serait capable plus tard de faire les championnats de France? Dans quoi? Quelle discipline? Celle que tu veux. Dressage, CSO, CCE, comme tu veux. Pas en voter deux. Mais ça va être forcément subjectif. Vas-y. Ok. Alors, en premier, Horace, en dressage et travail à pied. Je pense qu'il peut vraiment... Travail à pied, ils font au championnat de France. Je sais pas du tout. Je suis pas sûre. Bon, alors, vraiment que dressage, mais de toute façon, ces deux disciplines, je pense qu'il peut vraiment... si on s'entraîne correctement... J'en mets trois. Je mets tous. Je mets tous. Vas-y, attends. Moi, en premier, je vais mettre Maa. Putain, j'ai voté Loulou. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que pareil, en dressage, elle serait nickel. Et franchement, enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Je pense que si tu as l'objectif plus tard de faire quelques championnats de France ou quoi... Ouais, elle serait totalement capable de le faire. Ouais. Et si jamais t'as pas envie, moi je veux bien. Exact, c'est ce que je lui ai dit, voilà, comme ça. Voilà. Ouais, ok. Vas-y, toi après. Bah, j'avais mis mes louloutes. Ouais, du coup, Mais c'est subjectif, du coup. Ouais. Parce que bah, les tiens aussi, oui. Mais moi, c'est ce que j'ai marqué, j'ai mis bisous pour un CSO, mais du coup, un CSO, bah, la plus petite épreuve qu'il puisse faire, parce qu'il est pas très grand, il se fatigue assez facilement. Et Milord, parce qu'évidemment. Ben, ce sera peut-être prévu, hein. On verra ce qu'il aime faire ou en pas, mais s'il aime faire grave gérer. Ben ouais, même en dressage, même en obstacle, en CCE, enfin ce qu'il veut. S'il a envie de faire, il fera. Et ouais, je suis d'accord. On montera, quoi. Ben oui. Ah, ben c'est à toi, du coup, c'était ma question. Ok, ben moi, c'est ma dernière question. Lequel est le plus princesse dans ses attitudes, je dirais? Horace. Putain, j'ai voté pas. Enfin, j'allais dire soit Horace, soit Maa. Parce que Maa commence à prendre des trucs de lui en mode je veux pas marcher dans la boue. Ok, ah, trop truc. Drôle. Voilà. Ah non, moi je suis là en mode Milord, dans la flaque, dépêche-toi. Et tu vas dans l'eau. 5 minutes comme ça. Bah oui, non, mais t'as raison. Trop drôle. Bah, okay, oui, bah, moi j'ai fini mes questions. Bah moi il m'en reste quelques-unes encore. Donc qui est le mieux dressé en Mais dressé en. Ben monté. Ok, celui qui répond le mieux à tout. Ouais. Ok. Même si on n'a jamais... Moi, j'hésite, parce qu'il y a eux deux qui étaient montés aussi. Mais après, on ne les connaît pas tant que ça. Oui, mais de toute façon, oui, on peut juger que... ce qu'on connaît. Ouais, on va dire ça. Ouais. Bisous. Bisous, du coup. Hein. C'est sûr. Pas besoin de déblatérer, je crois. Bah non, mais moi, surtout, je me dis en fait que Horace, bah, déjà, il a des codes particuliers. Du coup, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les codes... Comme la dernière fois, je prends l'exemple le plus... proche, mais Elodie qui a voulu travailler à pied et du coup elle pouvait pas travailler avec lui parce que pas. Non, et du coup elle m'a dit mais quelqu'un a déjà travaillé à pied, je lui ai dit non, enfin réellement travailler à pied autre que moi non. Ouais. Et du coup à monter, sachant qu'il est très lourd à la jambe, oh, il est infernal. Donc si voilà, il y a pas les codes bah, qui sont ancrés, bah, je pense que là. Après Bisou c'est à peu près pareil dans le sens où lui il est pas du tout lourd à la jambe ou quoi, mais dès que tu essayes de faire un truc genre une session un truc comme ça, il s'énerve mais comme jamais. Ouais, ok, mais il le fait quand même. Il le fait, mais alors il est vénère le poney. Je vais le défendre. Pareil, j'avais marqué qui fait le plus de bêtises. Les deux à toi. Non, Milord en vrai. Non, je rigole, il est mignon, il est mignon. Ah, j'aurais dit Maa aussi. Avec ses débuts un peu rocambolesques. Ouais, c'est vrai. Ouais. Aïe, aïe. La jeunesse. Et la dernière, alors c'est pas un qui, mais c'est quels sont les friandises préférées de chacun. Ok. Voilà. Ok, mais alors attends, ce qu'il faut que ce soit plus intéressant, faut qu'on dise pour nous. Tu vois? Que je devine les tiens. Ouais. Enfin, que je dise pour les tiens et que tu dises pour les miens. C'est vrai. Parce que sinon, ok, on va faire ça. Horace. Vas-y. Je sais qu'il aime pas trop le liquide. Alors, tu me donnes un top 3 de ses goûts et un top 3 de ses fruits. Casse les pieds. Bon, carotte, on va mettre dans fruits. Top 3 de ses goûts, je pense que... Pas fan de la carotte. C'est presque pareil. C'est pas son préféré. Non, je t'ai dit son top 3 des préférés. Goût en bonbon, c'est ça? Ouais, mais goût en tout, oui. En bonbon. Parce qu'en vrai, il bouffe tout, hein. En bonbon. Ouais, mais il y en a qui préfèrent.
Liquide, c'est pomme. Je pense que pomme, il kiffe. Ok. Ouais. Après. Mais en goût en général, il y en a un général, qui. Il manque adore. Passion, tout ça, ouais. Là, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, je sais qu'il aime bien. Fruits rouges aussi. Oui, ouais. Voilà. Et le dernier, je sais pas. Je sais pas. Vanille, non. Coco, je sais pas quoi là. Milord, il aime pas. Banane? Ouais. Ah ouais? Il adore la banane. Okay. Okay. Mais du coup, c'était pas en fruits, c'était en goût ça. Du coup, les goûts, j'aurais mis mais pomme, même goût banane, banane et les goûts, tu sais, les bonbons de oui. Chez Decathlon là. Ouais, banane, ouais. Il adore. À toi, du coup. Ok. Pour bisous? Ouais. Tout. Tout. Ouais. Ok, attends, je vais quand même essayer. Il mange tout et n'importe quoi. Même là, il mange. Même la ouais. Bière, il boit la bière. Je t'avais jamais dit que j'allais essayer de lui faire problème. Tu vas le rendre sous après. J'ai qu'il mange mais non, frites. Mais en gros, tu sais, oh, j'ai si, versé la bière et voilà. J'ai goût. Frites. Nuggets. McDo. Un burger. Oh putain. Ok. Il est infernal avec ça. Là, franchement, je suis pas sa tante pour rien, ok. Ah non, mais. Tante aux conneries. Mais après, oui, je dirais tous les goûts en vrai pour bisous. Y a rien qu'il n'aime pas. Y a rien qu'il déteste. Ouais, c'est vrai qu'il mange tout. Ouais, c'est vrai. Ok. Ma. Ma. Ben, entre. Bon, facile, entre la pomme et la carotte. Je pense qu'elle doit préférer. C'est hyper facile. La carotte ? Ouais. Elle kiffe la carotte. Elle adore la carotte. Ok. Ouais. C'est trop facile. Après, elle mange pas énormément, mais enfin, de bonbons d'hiver et variés. Comme et ça, non, pas encore parce qu'ils ont pas tout plein dedans, mais. Ouais. Milord ? Il aime tout, attends. Ah non. Non, ouais, sauf la banane. Il y a un autre fruit qu'il n'aime pas du tout. J'ai essayé de lui faire manger. Que moi j'ai essayé ou pas déjà ? Non, je crois que t'as pas essayé toi. Moi j'ai essayé et puis c'est un fruit qu'on peut confondre avec un autre. Topinambou. Non, c'est pas un fruit mais c'est pas grave. Non. C'est de la poire. Ah oui, c'est vrai, tu m'as déteste la poire et ouais. J'avais essayé de lui échanger, il voulait même plus manger de pommes. Il était vexé. Okay. Bon, pomme et carotte alors. Ouais. Plus pomme ou pomme carotte plus pomme ou pomme carotte. La compote. Franchement, les deux pareils. Ouais. 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 Après, il aime bien le liquide à la. C'est quoi Non, c'est chérie. Cerise. Ah, cerise. Ouais. Ouais. Okay. Il aime bien le liquide à la cerise aussi. Okay. Il a mangé tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, j'ai plus de questions. Ben, moi non plus, ben, je pense que c'est fini. Hein. Ouais. Bon, ben, voilà, on vous a donné notre avis sur à peu près tous les loulous de l'écurie. Mmh. Quelques questions comme ça qu'on a bricolées 5 minutes avant de tourner. Qu'on a écrites sur des morceaux de papier en carton. Oh, pidaise. Oui, mais voilà, le budget non, est là, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et on vous prépare une vidéo de Noël. Oh là là là. Voilà. Merci. Avec des cadeaux de Noël, du coup, évidemment. Ouais. Mais la particularité, ça va être que les chevaux vont choisir leur cadeau de Noël. Donc, ils auront devant eux des paquets. Et ils iront les toucher, voilà, dégommer, ils vont essayer faire, de les sentir et tout. Et en fonction, du coup, du paquet vers lequel ils iront, on l'ouvrira devant lui. Ouais. Et du coup, ça sera pour tel ou tel cheval. C'est ça. Du coup, voilà. Bon, ouais, franchement, ça va être drôle. Et ben, on vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée. Voilà. Je sais toujours pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Ouais, ça sera une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Du bonheur en général et une prochaine vidéo. Bon.